Bonjour, bonsoir tout le monde, fanatique Info 24, yo, comment nous sommes? Espérez-nous bien, c'est toujours avec même plaisir, nous comptons rejoindre nous à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo. Matin, on a fait un petit coup de pied dans la ville provinciale, comment nous allons expliquer qui j'ai en ville ça eux même, yo levé pour matin après 3 jours carnaval là dans Port de Paix, en pile déclaration faite, mais politique là pas suspendre valet terrain dans Jean nous pour le suivre là et insécurité à tout dit pas suspendre valet terrain en pile secteur levé voyo pour demander départ président de la République là Jovenel Moïse et comme ça tout bandi au même bon côté pa yo toujours continuer simer des nan mitan population comment Haïti lui même li rêvé pour matin hein? Nous allons inviter à suivre avec divers correspondants pour plus de détails. Mais avant même nous rentrer dans les détails vidéo, on a invité ou pas négliger faire ça coulia. Abonnez avec channel Info 24 là pour capable informer 24 sur 24. Information c'est un bagage qui est extrêmement important, mais là ou bien informé, le plus important toujours, c'est peut-être ça nous conseiller rester connecté avec Info 24 ou avoir une information yo dans bon timamit. Sans fausse côté, sans remonter. Canal information 100% vérité. On a le suivre pour plus de détails. Bonjour à tous les auditeurs qui branchent Radio Méga dans 4 coins. C'est un plaisir pour informer vous. Tout ça qui gagne comme information sur Tirivière la Tibonite. Pendant le week-end, dimanche 14 février, qui était marqué, date fête en Mourir et avec carnaval, premier jour grand carnaval dans tout pays a et ancien député Thierry la Tibonite malgré Gaucha et cap pesé sous lui qui fait quoi qu'elle est côte gang qui n'en ça vient Pakistan fait des gestes sociaux dans Thierry la Tibonite permettre que plus passer 700 jeunes femmes à jeunes garçons pral apprendre plus passer 16 options dans l'école professionnelle dans Thierry la Tibonite équipe qui était présent remettre un chèque 1 million goudes avec le directeur de l'école là, qui c'est James Libéris, pour commencer avec Kouyo, avec plus passer 700 timounes dans 6 sections communales tirées à la Tibonite. Et ça, l'autre information, question de sécurité, toujours fait la ligne d'actualité, dans tirées à la Tibonite, spécialement dans la première section, dans la zone Savien, population a mandé à la police pour continuer à l'opération pour déraciner le groupe gang. Qui ça vient et malgré chef gang n'a mouru, le monsieur toujours abîmé la terre ou bien fait couper tête pour traverser la rivière pour aller faire forfait sur le monde. Lien court, dans ce sens, la population a demandé avec le directeur départemental de la police, là, Jacques Adet, pour réactiver parce qu'elle était demandé pour quitter la période de carnaval là, écoulée. Après ça, pour opération théorique, tombée, ça va permettre que la population joue un soulagement avec le groupe armé. Dans notre bord, population surtout agriculteurs dénoncé directeur général Odéria qui n'a pas représenté rien à travers vallée la Tibonite là cause canal yo pas curé permettre que yo pas faire jardin yo mandé avec directeur général Odéria ingénieur Jocelyn Jean pour assumer responsabilité pour permettre que cultivateur capable de cultiver la terre et fait quoi et l'ensemble de matériel qui pour créer canalio c'est un travail privé qui a fait avec un même gaz d'état les demandés directeurs pour venir faire intervention au niveau canalio soit demander au gaz pour le cabine qui le canalio connaît que les haïtiens et les gaz qui ont été disponibles pour matériel au niveau au DVA. C'est ça cultivateur montré dans la semaine qui prend le vin, il n'y a pas mobilisé pour m'en échanger directeur en tête au DVA. Désir. Mais là, tu es là, tu es là, tu es là, adieu, méga. Mais ça qui gagne dans vie Saint-Marc, Daniel, bonjour, bon mercredi. Comment vie Saint-Marc levé pour matin? Bon mercredi, Ludmilla Marc, c'est Marcel Joseph, bonjour Blaise, bonjour tout le monde, matin, très content. Ensemble avec eux, tout d'abord, nous saluons Radio Yo, Yo en pile, chaque jour, qui prétend, yo même, pour capable de permettre tout le monde, yo même, qui dans le pays, dans le département de la Tibonite, là, surtout capable d'écouter le journal Méga Matin, Rima Radio, Agia, Radio Vibration Inter, même, qui toujours prétend ça, mais en pile. En termes de formation, Ludmilla Marc nous connaît, ailleurs, c'était le dernier jour gras, dans le cadre des 3 jours au carnaval national qui gagne.
à travers tout pays a mais n'a dit dans cité message chargé yo moun yo yo te prend la rue pour capable aller prendre plaisir malgré nous connaît aujourd'hui avec face COVID-19 là mais qui toujours là et qui pas épargné personne pendant toutes trois jours au carnaval le Biamak. Ben de constater pas de gagner qu'une prudence par rapport mon yo tapé danser une solote pas de gagner masque en tout cas dans ce sac gagner responsable culturel le niveau ministère Maclan lui-même qui s'est à Saint Didier dans une interview libanou hier soir il t'a fait quoi ça qui avait fait le niveau carnaval Saint Maclan malgré yoté déposer un projet dans le ministère de la culture, responsable bio, Pabayo Ongoud, dans le cadre du carnaval Saint-Maclan, t'as fait quoi? C'est pour la première fois ça arrivait, côté autorité, ont méprisé les cités de Salsaja dans le cadre du carnaval. Déposer la question sur ça qui a un rapport avec l'incident, t'as fait quoi? Pas rien, coïncident, mais ailleurs même, on t'a constaté dans le niveau route nationale numéro 1, dans la zone Fresino, côté Gagnon, on ban, yo même, des mouns dans la zone là, on t'a fait quoi, voyez, washé sous yo, ça qui t'apprête à le permettre, bon, situation panique sur route nationale là, côté, wash t'a tiré bouteille à ou, en ou, à droite, à gauche, etc. Ça qui t'apprête à la cause, des mouns qui t'a dans la ban, t'a kembe un citoyen, et ben, li, en pile, coup de wash, nan niveau route nationale numéro 1, nan Fresino. En tout cas, merci en pile, je suis très content ensemble avec toi. On a croisé demain, Ludmi Amak, Blaise. Merci en pile, Daniel, Marcel, Joseph, n'a toujours été dans le département de la Tibonite PIA, mais là, nous avons arrivé dans la ville Gonaïve, cité de Badas PIA, avec un collaborateur, nous, Mackens, lui, qui va dire nous comment, ville Gonaïve, levé pour matin, mercredi 17 février 2021, qui s'acquitte comme information, mais nous connaissons déjà, dernier temps, ça y est, ville Gonaïve, qui, connaît une situation panique surtout dans localité Rabotou l'en connaît eh bien c'est presque chaque jour zam coup de zam a chanté dans localité Rabotou bataille là nous tendez tout à l'heure comment responsable FJKL Marie-Hélène Gilles qui t'a parlé sous bataille qui était lancée avant-hier entre petit mé guerrier Polda et puis Jean Ousner Amicial délégué ancien délégué le Boala dans la Tibonite eh bien nous tendez comment ça a tillé et jusqu'à ce que eh bien délégué arrive et dit job c'est Jean-Enoch Généliste qui vient remplacer la situation qui m'a gommé parce que chaque jour dans ville Rabotou en dedans qu'on a moi même grand pile monde dans Rabotou qui parce que chaque jour après crème boudim blaise souvent des bruits et cartouches détonation dans zone Rabotou. Marcel Joseph Mackens déjà avec nous, on regarde comment ça y est. Mackens, lui, bonjour, comment qu'on arrive levé pour matin mercredi? Bonjour Peterson Blaise, bonjour Lodmia et bonjour Marcel Joseph. Nous saluons tout auditeur et auditrice radio Megayo. Donc, mon pilayo qui t'a souffri pendant le week-end là jusqu'à hier à cause radio à lui-même qui a eu un petit problème technique. Bon Dieu, merci, tout bagaille résoudre. Donc, mon Gonaïve saluer tout responsable radio et technicien qui fait diligence qui permet radio à lui-même lire l'ouvrir sous site indépendance. Normalement, il est capable de jouer Peterson Blaise Gonaïve levé avec un calme et côté que nous déjà sillonné plusieurs rues dans la cité indépendance. Nous avons timidement gagné activité qui est en train de reprendre depuis et en début de semaine, par rapport à calme apparente, ça qui gagne un calme apparent depuis la période de carnaval. Donc, nous connaissons le chauffeur camionnette même qui déjà prend la rouille là. Et même Kabdou en bas la ville, côté nous pour positionner nous, nous trouvons nous actuellement. Et pas gagner trop marchands, pas gagner trop table. Ouais, et tout table a toujours été. Capable de dire sous trottoir là, appuyé, couché sous trottoir là. Donc, nous ne connaissons pas comment ça pralier pendant mi-temps journée. Nous connaissons tout, gagné et porte-parole haïtien action latinoïde, Fritz Désir, qui lui-même te baille en conférence pour la presse. Côté que Fritz Désir, qui contrairement avec Winter Etienne, fait connaître que manifestation était en main, c'était sans violence et l'école était toujours l'ouvrir. Donc, il y a un bureau l'État, bureau public qui était toujours à fonctionner.
Donc, Fritz Zéphir lui-même a été dénoncé comportement de la police qui est venu avec un char dans la ville-là et depuis le char à rentrée. Toujours selon Fritz Zéphir, il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont blessé en dans cette indépendance-là. Donc, lui connaît est capable de gagner une légèreté d'un côté de quelqu'un qui fait scène de pillage et gagner quelques édifices de l'État qui boulent, tant qu'à mairie Gounaïvan à Capalet de Justice. Mais tout, Fritz Zéphir, il y a des gens qui ont prudents. Parfois, il y a des gens qui ont prévu l'autre affaire, qui ont plagué chai sous opposition, particulièrement sous Moun Raboto, comme quoi c'est un qui a boulé, mais parfois tout, c'est des films qui ont monté selon Fritz Zéphir, pour la chai là, justement, sous Moun qui a manifesté dans Raboto, mais tout n'est pas ignoré que il y a des incidents qui peut-être sont trouvés en dedans un mouvement qu'il a mené. Pour l'autre fois encore, et Fritz Zéphir et fait population connaître, même c'est la mobilisation pacifique là lui-même, les quoi, donc l'école capable toujours d'ouvrir, activité capable toujours reprendre, mais il a toujours été sous béton hein, pour rappeler Jovenel Moïse que mandat lui-même est terminé. Nous connaissons pour le moment Guéguen et ancien délégué départemental là, et Jean Rousner qui a toujours été introuvable. Par rapport à contact que nous-mêmes avons essayé de faire avec lui, nous ne sommes pas capables de joindre, mais il faut que nous disions gagner. Et il y a un arrêté qui était sorti là, qui était nommé M. Enoch Généluz comme nouveau délégué départemental. Et bien lundi qui s'est passé à Enoch, Généluz est dû installer dans cette délégation dans la Tribonite. Et bien il y a une installation qui n'est pas arrivée faite après plus passer 3 à 4 heures de temps, journaliste en attente. Dans la dernière minute, eh bien, Radio Méga a été obligé de contacter le véritable concerné. Il fait qu'on ait que l'installation lui-même est reportée, et peut-être pour jeudi, parce que il y a une autorité même qui n'est pas vraiment disponible dans le carnaval. Eh bien, il y a une forte possibilité pour Enoch Généluz d'arriver installé comme nouveau délégué départemental et dans la tête délégation dans l'Artibonite. Et dans le moment où on a parlé, peut-être jeudi, dans la minute qui a venu là, et que l'Artibonite est capable de gagner, il y a un nouveau délégué départemental. On a fini Blaise avec notre Sahara, côté mairie Gonaïve, eux-mêmes, qui a annoncé avec le grand public là, d'une manière générale, que je connais par rapport avec un casque qui était fait dans la mairie, des choucages qui étaient faits dans la mairie, côté qui était piqué dans différents bureaux, un individu, on va arriver à identifier, aller avec un pile matériel dans la mairie, voire même sous la mairie, il arrive à prendre, il prend maillot, il prend équipement, et il prend, et une capacité rad agent sécurité mairie, et comme météo. Donc, dans ce sens, il y a une autorité dans la mairie qu'on arrive là, particulièrement. Et maire principal là, M. Diogène, il fait connaître que pour le moment, la mairie est suspendue et sur toute activité que le Tekon apporte comprendre par rapport avec Soyo, il peut aller ouest, si il est capable, et venir avec l'autre bagaille. Donc, quel que soit le papier, notamment qui est pour te signer Arthur ou bien qui est sous, mais il y a pas valable, nous on a parlé là, jusqu'à ce que le bagaille arrive rentrer dans l'ordre. Voilà, nous sommes Mackenzie depuis Gonaïve pour Go Toto Radio Améga. Rendez-vous cassé demain. Merci en pile. Mark Hensley, la correspondant nous depuis Gonaïve, amis auditeurs, qui t'a informé nous. Depuis Ville ça n'a toujours été dans le département nord pays à Marcel Joseph. Nous parlons ensemble avec correspondant nous Guino Duvernay. Comment ville au cap levé pour matin, mercredi 17 février 2021. Nous allons regarder avec lui. Est-ce que après 3 jours, carnaval commence à y être? Est-ce que l'école la reprend pour matin, mercredi? À y une ville nous connaît depuis dernier temps, ça y Blaise qui figuré parmi villes qui gagnent en pile mobilisation pour demander chef l'État à quitter pouvoir parce que mandat fini. Nous allons regarder avec correspondant nous depuis ville ça comment ville au cap levé pour matin, je nous dis là. Guino Duvernay, ou déjà en ligne ensemble avec nous, bonjour, bon mercredi, comment ville au cap levé pour matin? Bonjour Ludmiyama, bonjour Blaise, bonjour tout auditeur Radio Mégayon. Capaïsien levé matin, calme, activité. On déjà reprend le soleil là, déjà éclairé sur la ville là. Simplement, gagner quelques côtés, fatra toujours continuer à tailler Banda. Il y a un peu de gagner hier soir, c'est carnaval là, nous connaissons au Capaïsien.
vraiment c'est un carnaval qui fait un mystique magasin. Alors c'est un carnaval qui fait simplement c'est pour Tropicana avec septembre. Après on était participé dans le carnaval national là dans Port-de-Paix, premier jour gras, il vient deux jours gras. Yo yo t'ai couru dans ville Cap-Haïtien hier soir, c'était dernier jour gras. Et bien c'était exactement bon 3h du matin et gaz là. C'est même maintenant la rue. C'est la police était au rendez-vous et simplement c'est un carnaval qui était fait dans blackout total dans la ville Cap-Haïtien, en pile zone. C'était en pile fait noir. Et tout c'est un carnaval tout un pile monde qui plaignait de ça, qui dit parce que l'année dernière quand il y a Tropicana septembre, il y a une année où tu dis pas courir carnaval là parce que et c'est à son population était vraiment critique, insécurité, t'es gagné en question la vie, etc. Donc le monde a dit mais pour qui ça, est-ce que la vie population est en changé qui fait que des tendances là yo même malgré le jazz, malgré que la mairie en soit pas organisé rien, pas un kidnap, pas gagné un ou qui vraiment organisé pour côté autorité, on va pas gagner pas un comité carnaval vraiment pour te réaliser carnaval, mais yo même yo t'es accepté sauté pendant deux jours si la yon ça fait et qu'il y a plus de monde qui vraiment a plein hein, qui a demandé et qui s'agit à pousser et orchestre la yon yon même yon sauté malgré situation toujours difficile malgré pas de jam gain que planification d'ailleurs c'est un carnaval qui fait c'est vraiment mystique négation en dedans deuxième ville pays d'Haïti gagné juriste, juge Aristide Fruto lui-même qui positionné par rapport à des situations qui a traversé le pays d'Haïti. Il est vraiment président, d'ancien président Jovenel Moïse, c'est comme ça qu'il est traité. Il est un président qui allait trop loin côté lui. Monsieur Salvé avec justice a vraiment crasé appareil justice dans le pays. Les gens lui-même, les peuvent vraiment pas rien qui fait dans ce pays. Nous mettre vraiment les problèmes, les sentir vraiment pas ouais espoir pour avenir pays. Si vraiment pas rien qui fait parce que tout président Jovenel Moïse, selon lui, qui agit en dehors des constitutions, hein, qui a vandalisé la justice. Il lui demandait pour que vraiment gagner une prise de conscience qui prend bon côté acteur, autorité, pour que vraiment le pays soit capable de tourner sous règne, développement et surtout travail sur question constitution. Eh bien, pour continuer à gagner, est-ce que sécurité en lui-même dans le département de Noir, qui vraiment a toujours pas un mandat, mais l'autorité, la police notamment, qui fait qu'on est, ils pas croisé, ils ont toujours mis au diapason pour frapper tout bandit, tout le monde qui t'a voulu, tout ce qui tout blague, dans la population. En gros, c'est quoi la situation dans le département de Noir, notamment dans la ville au Cap-Haïtien, qui nous dit rendez-vous pour Radio Méga. Rendez-vous, c'est pour demain.